J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour l'inventaire de Xur. Donc c'est vrai qu'il est 19h30. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà pris connaissance de ce que Xur a à nous apporter ce week-end. Mais je me suis dit pourquoi ne pas faire quand même cette vidéo, puisqu'il y a probablement des personnes qui jouent beaucoup moins à Destiny qu'avant. Et comme je sais que Xur cette semaine a une arme vraiment sympathique à nous proposer, je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo au cas où certains joueurs rateraient l'occasion d'acheter tout simplement le Suros, parce que c'est l'arme qui est en vente cette semaine. Donc une arme que je vous recommande fortement puisqu'elle est très très puissante, notamment sur la longue portée, très efficace également à courte portée, elle a vraiment beaucoup de puissance, beaucoup de précision, et c'est tout simplement l'une des armes exotiques qu'il faut absolument posséder dans Destiny, du moins si vous êtes un joueur de premier rang, puisqu'elle fait partie tout simplement des armes qui ont le plus de charisme dans ce jeu. Côté équipement pour cette semaine, on retrouve tas de flambées pour les titans, radar à vie cérébrée pour les chasseurs et griffes d'Amkara pour les arcanistes, un engramme de casque pour l'engramme exotique. Côté télémétrie, on retrouve les fusils à impulsion, les fusils d'éclaireur et les fusils de précision et encore et toujours, comme d'habitude, les munitions violettes. Petit rappel également, dont deux petites choses pour les personnes qui n'ont pas suivi, je vous rappelle qu'il y a encore et toujours la bannière de fer de présente cette semaine. Et il y a le reboot d'Osiris pour le week-end, et je crois que la map de cette semaine, c'est tout simplement le temple incandescent. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!